Hey yo les gens, c'est Razan et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8. Je viens de faire une bourre déjà en appuyant sur le bouton. Désolé de vous avoir quitté un peu précipitamment lors du dernier épisode, je viens de m'en rendre compte en fait. Mais c'est tout simplement qu'on avait dépassé les 15 minutes et pour la raison de l'upload, ça allait être compliqué. Donc là je fais sortir l'arme, enfin une arme plutôt bonne parce que je pense que... Ah non en fait, je croyais qu'il y avait il allait avoir un bossement en fait, non. J'avais pas fini ce que je voulais dire en fait. Tu m'avais fait remarquer aussi que mes commentaries, enfin mon let's play manquait un peu de punch, de joie de vivre, de fun, de délire. Et ça, bah je suis conscient, mais à la fois je cherche un petit peu. Je sais pas vraiment qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit un peu plus intéressant, un peu plus dynamique, disons, un peu plus vivant. Déjà assister quand ne mourant pas bêtement, ça serait cool. Non, avec ces petites boules là, ça devrait bien se passer. Je devrais finir avec ce beau monde. Waouh, c'est chaud. Oh, il y a de la vie, c'est bon. Je crois qu'il doit plus rester grand monde. Ouais, je l'ai gaspillé en plus. Ouais, bon, j'ai fait une petite erreur, mais bon, autant. J'ai cru que j'allais mourir. Ah, j'ai mes 4000, donc au pire, on pourra aller voir Quark. Donc, ça, c'est bien. Alors oui, donc je disais, donc Stormhearth m'a fait aussi remarquer, voilà. Donc ce petit point, donc plus de dynamisme et un peu plus vivant, ça serait cool. Donc ça, il n'y a pas de souci, je vais essayer de rendre ça un peu plus dynamique, avec ma voix un peu plus de punch. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Ensuite, un autre point, c'est... Ok... La zone qui a l'air compliquée. Il y a un boulon en or. Alors ça me fait penser justement que tu m'as dit de pas me concentrer uniquement sur les boulons en or. Je pense que les boulons en or, voilà, ça. Si je les trouve, tant mieux. Si je les trouve pas, tant pis. J'en ferai pas une maladie. Et tu veux pas. Non, sérieusement. Vaut mieux que je me concentre plus sur la quête principale que sur les boulons en or. Que les boulons en or, simplement. Car ils sont vraiment que secondaires, ces boulons en or. Ils sont vraiment pas importants pour la quête principale. Et ça n'apporte que des bonus. Et c'est vrai que me voir galérer pour des boulons en or qui ne servent à rien, c'est pour ça que totalement stupide. Donc ça, je vais laisser tomber les boulons en or. Mais cependant, donc ce que je vous avais dit, je vais le faire, c'est de faire une petite série bonus pour récupérer tous les boulons en or. Donc ça sera à la fin de mon aventure. Donc je me renseignerai à peu près de l'emplacement de tous les boulons en or. Et puis bah je les récupérerai en vidéo commentée. Voilà. Oh, je vais mourir encore une fois, mais non, c'est bon. Ok. S'il pouvait y avoir une vie, c'est parfait. Ok, parfait. C'est un vrai labyrinthe ce truc. J'ai pas l'impression que je puisse aller quelque part d'autre. Ah si, par là. Ils sont vraiment chiants hein, ces ennemis là. J'ai cru que j'allais mourir encore une fois. Et s'il vous plaît. Oui, ça c'est parfait, une vie. Ok, donc l'interrupteur il est cassé, génial. Donc je ne pourrai pas récupérer le boulon en or. Bon, bah comme je vous l'ai dit hein, précédemment, c'est pas grave. Je pense qu'il va falloir que je grimpe, je sais pas. Enfin, on verra, ce sera un boulon en or qu'on va récupérer dans l'épisode, dans la série bonus. Donc voilà. Alors ensuite, ça me fait penser que je t'avais promis donc d'Espérois. Déjà, je tiens à te remercier vraiment pour tous les commentaires que tu me fais, que tu me mets en tout cas, de ta fidélité et tout. Ça fait vraiment super plaisir d'avoir un abonné comme toi. Ouais. Et donc tu m'avais dit de caser ton pseudo dès que je pourrais. Et je te l'avais promis. Putain, je galère. Et donc voilà, je te case vraiment un gros dédicace à toi. Merci de ta fidélité, merci de ton soutien et puis si j'arrivais à battre cet ennemi, ça serait cool. Je vais utiliser Gant Ravageur, hein, désolé. Peut-être que j'abuse un peu de cette arme, mais c'est un petit peu l'arme la plus efficace, personnellement, je trouve. Et je viens d'en gaspiller un peu rien. Enfin bon. Allez, voilà, parfait. Ils sont vraiment très très efficaces ces petits tueurs. Un seul suffit à tuer un tank, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, grosse dédicace à toi.
Et je pense à peu près avoir tout dit au niveau des commentaires. Je vais pas revenir sur l'épisode de Burnout qui m'avait fait remarquer que je disais ça fait énormément plaisir. Oui, bon, voilà, je disais ça, oui, et apparemment ça me fait penser à Rony HD. Moi, je suis trop. Enfin, j'ai déjà donné mon point de vue, je vais pas épiloguer là-dessus. J'ai un petit bug là. Des boulons. Faut vraiment que je fasse attention avec les boulons. Hein. Car ils sont très très importants. Rien que pour le TELT, j'ai vu le nombre qu'il fallait, c'est juste impressionnant. Donc il va falloir vraiment que je fasse très attention à économiser et à pas les dépenser pour rien. Par exemple, à la trappe Nigo, je crois qu'il sert un peu à rien. On m'a expliqué d'ailleurs, Despero m'a expliqué. Un grand merci aussi pour ton conseil. À quoi servait la trappe Nigo. Et c'est pas non plus. Il n'est pas complètement inutile, mais il n'est pas non plus indispensable quoi. Allez, c'est parti, les boulons. Donc maintenant, on va aller voir la dame. Et puis je vais me taire. Bonjour et bienvenue à la compétition intergalactique d'Overboard. Le capitaine Quark offre un zoomérateur platinum flambant neuf au vainqueur. Un zoomérateur platinum? C'est peut-être ça que l'agent de Skid attend comme preuve irréfutable de ton talent. Attendez, vous parlez bien de Skid McMarks? Ouais, Skid n'a pas pu venir, alors on est là pour, disons, le remplacer. Eh bien, on va voir ça. Ok, bon, alors. On peut entrer dans la course ou aller par là. Entrer par là, ça fait quoi? Ah oui, d'accord, c'est directement le lien pour Quark. Alors moi, ce que je propose, déjà, on va regarder la mission qui est marquée en premier, c'est soudoyer le cœur du corps. Okay, ouais, je sais pas. Bon, on va faire la course. Ouais, non, on va faire la course dans le prochain épisode. Et là, on va aller voir Quark. Voilà, donc ça, je pense que c'est un bon programme. Car au cas où que je galère, on sait jamais. Ça m'évitera de gaspiller une fin d'épisode. La porte s'ouvre. Capitaine Quark. Hein, quoi? C'est Ratchet et Clank, capitaine. Vous savez de... Ah, oui, je sais qui vous êtes. Vraiment? Oui, et par la galaxie, vous m'avez trouvé. Hein? Un horrible complot se trame pour détruire nos planètes. Ratchet, il sait. Génial. Alors, on peut aller faire de l'overboard? Mes amis, nous courons tous un grave danger. Mais je pense qu'ensemble, nous pourrons mettre un terme à cette folie. Ensemble? Mais vous voulez notre aide alors? Écoute, Ratchet, je t'ai remarqué depuis longtemps. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi doué. Tu promets d'être un véritable héros. Vraiment? Alors, je pourrais être célèbre? Absolument. Oh tiens, prends ça. Qu'est-ce qui différencie un homme ordinaire d'un véritable héros? La force, la compassion, la détermination, ou bien est-ce la chance? Depuis la nuit des temps, les plus grands esprits ont réfléchi à cette question. Mais le capitaine Quark détient la réponse. C'est pourquoi il a vaincu plus de tyrans, sauvé plus de damoiselles en détresse et libéré plus de civilisations que tout autre héros de la galaxie. L'heure est venue de savoir si vous êtes fait du même bois que les héros. Cet info-robot contient les coordonnées de la base secrète de Quark. Aurez-vous la trempe nécessaire pour essuyer sans ciller ses agressions assassines sans s'immiscer en soudi? Serez-vous sur son... Oh! Passez outre les défenses pour atteindre le centre de la base. Faites vos preuves, découvrez le secret et inscrivez votre nom dans l'histoire galactique! Consultez un médecin avant tout effort éreintant. Si vous mourrez ou que vous êtes démembré, c'est votre faute. Vos performances peuvent varier selon les événements. Retrouvez-moi à mon QG. Hey, capitaine Ratchet, pas mal, non? Nous serons à la hauteur, monsieur, c'est promis. Ok. Alors, je suis un petit peu coincé là parce que il me semble qu'il y a 9 minutes. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va, tenter la course. Et puis, si je rate, et bah, tout simplement, bah, on va s'arrêter là. Donc, allez, on est parti, on va faire la course. Avec ça, comment direct, ok. D'accord, parfait. C'est un bon moyen aussi de gagner des boulons. Je pense qu'il vaut mieux que j'aille en hauteur que en bas.
Évidemment, je peux pas y aller. Allez, allez. Parce que je suis que cinquième là, donc. Enfin, je suis dernier quoi. Allez, allez. Oui. Ok, allez, allez, allez. Oh non, c'est pas vrai, je fais que tomber là. J'ai encore de me rater. Bon, allez, on est cinquième. On peut rattraper, je pense. Allez. Voilà, on est quatrième. Allez. Donc, on peut encore gagner, je pense. Je viens de voir l'autre là. Ah oh bah évidemment. Non mais c'est pas possible, ça marche. C'est horrible. Je suppose qu'il faut que je gagne. Hein. Bon, c'est plutôt mal barré. Ah, ça c'est bon ça. Ok. Allez, allez. Oui, ça va. Je me rattrape un peu là. Nouveau meilleur score, 4ème position. Ok. Je vais regarder à combien on est de vidéos. On doit être. On est à 11 minutes, donc on va refaire une tentative. On va essayer d'être premier cette fois-ci parce que bon, c'est quand même le but. Allez, allez. Ok, ok, faut surtout pas que je me laisse distancer. Ouais, ça c'est déjà bien, j'ai déjà réussi à passer cette zone là, donc ça c'est cool. Donc ça c'est dommage. Allez, je suis troisième, on peut encore le faire, c'est parfait, allez. J'ai l'impression qu'il faut vraiment assurer hein, pour être premier. Moi je suis deuxième, c'est parfait, allez. Ah non, je suis deuxième là. Allez. Bon, ça c'est pas grave. Allez. Ouais, c'est bon, allez. Là, je devrais pouvoir en profiter, là. Allez, je suis presque premier, là. Ah, mais là, j'ai perdu du temps, un truc de fou. Allez. On va tenter un truc. Ça, c'est bien joué, ça. Allez. Oh non, c'est pas vrai. Ah! Ah, j'étais presque. Mon dieu. Bon, on va terminer pour cet épisode sur un score de deuxième position. On va essayer de faire mieux lors du troisième épisode. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis, prenez soin de vous. Ciao à tous!